Alice au pays des merveilles. Conte universel. Par une belle journée de printemps, la petite fille Alice, assise dans le jardin au milieu des fleurs, lisait un conte. Soudain, un lapin blanc la frôla en disant « Je vais être en retard », tandis qu'il consultait sa montre. Poussée par la curiosité, Alice se lança à la poursuite du lapin qui pénétra dans une haie. Dans sa folle course, Alice se sentit tomber dans un puits très profond dont les parois étaient garnies de rayons de livres et d'ustensiles de cuisine. Tout d'abord, elle essaya de voir ce qu'il y avait en dessous. Mais, comme il faisait très sombre, Alice ne put rien distinguer. Malgré l'obscurité, Alice remarqua une petite porte avec une clé d'or. Elle ouvrit cette porte. Malheureusement, la fille était trop grande et ne pouvait pas y passer. Elle se mit à pleurer. Sur une petite table, Alice aperçut une petite bouteille sur laquelle était écrit « Buvez-moi ». Alice but la moitié du contenu. Elle se mit à rapétisser. Maintenant, Alice ne mesure plus que 10 cm. Son pied glisse et elle plonge jusqu'au menton dans le lac formé par les larmes qu'elle avait versées quand elle était grande. Alice se glissa dans la bouteille et parvint à sortir par le trou de la serrure. Un canard et une souris l'accompagnaient. Une fois dehors, Alice sortit de la bouteille et se mit à courir pour se sécher. Elle se retrouva dans un beau jardin. Un bruit de pas léger attira son attention. C'était le lapin blanc qui lui demanda gentiment de lui apporter à manger de sa demeure. Alice entra dans la maisonnette du lapin blanc. Ayant soif, elle but le contenu d'une bouteille. Elle se mit alors à grandir. Ses mains et ses pieds sortirent par les fenêtres de la maisonnette. Le lapin blanc eut peur, ainsi que tous les animaux. Ils s'enfuirent à toute vitesse. Alice remarqua une assiette de petits gâteaux. Elle en mangea. La voilà qui reprend sa taille normale. Alice quitta rapidement la demeure du lapin blanc et se retrouva dans un bois épais. Elle rencontra une chenille fumant une longue pipe. Mais la petite fille continua son chemin. Alice arriva en vue d'une table dressée où le lapin blanc et un clown prenaient le thé. Ils l'invitèrent à prendre le thé avec eux, mais comme les couverts étaient sales, elle préféra s'éloigner et elle reprit sa marche dans la grande forêt. La petite fille arriva devant un arbre percé d'une porte. Elle franchit la porte et pénétra dans un beau jardin garni de fleurs éclatantes. Le jardin était couvert de roses blanches que quelques jardiniers se hâtaient de peindre en rouge. Alice examina longuement les jardiniers. Leurs bras et leurs jambes étaient placés aux quatre angles de leur corps, plats et rectangulaires. Il ressemblait à des cartes de jeu. En poursuivant son chemin, Alice rencontra le roi et la reine de cœur. La reine l'invita à jouer au croquet avec elle. Mais quel drôle de jeu! Les boules étaient des hérissons, les mailles des flamands, les soldats courbés en arc de cercle
pour former les arceaux. Ils jouaient tous en même temps, se disputant sans cesse. Alice rit aux éclats, ce qui mit la reine en colère. Les soldats, sur l'ordre de la reine, menèrent la petite fille devant le tribunal. La reine, toujours en colère, prononça directement le verdict. Qu'on lui coupe la tête. En entendant le verdict, la petite fille lança d'un ton moqueur et méprisant. Qui se soucie de vous? Après tout, vous n'êtes qu'un jeu de cartes. À ces mots, le jeu de cartes sauta sur Alice et retomba sur elle. Alice s'enfuit à toute vitesse et... Alice se retrouva couchée dans le jardin. Sa mère, agrenouillée près d'elle, lui dit doucement « Réveille-toi, ma petite, tu as dormi longtemps. »« Oh, si tu savais quel rêve j'ai fait !» lui répondit Alice. Et elle commence à raconter ses étranges aventures à sa mère. J'espère que vous avez aimé cette histoire. Merci.